Le groupe des convergents a été créé dans un but commun et inaliénable. Fédérer le peuple ainsi que les structures et groupes existants, tout en mettant de côté les étiquettes politiques et les parcours militants et ou autres de chacun. Fort d'expériences décevantes sur d'autres groupes et projets similaires, l'équipe d'initiateurs s'est donc retrouvée sur une même base. Elle sera d'ailleurs intransigeante. Il s'agira d'un lieu virtuel, d'une plateforme commune, permettant les liens, la rencontre, la réunification, l'échange et la discussion, le débat constructif entre les citoyens et les organisations existantes. Les tristes opportunistes, les nombreux carriéristes, les esprits manichéens, les ultras, les grands complotistes, les petits chefs et les exécrables dictateurs n'auront pas leur place au sein de notre convergence d'idées et d'actions. À partir de ce groupe, des actions collectives pourront être organisées. En ce sens, les convergents est un projet inédit. Ces règles, nous les appliquerons également entre membres fondateurs, en plus des règles spécifiques à consulter librement sur le groupe. Toutes les décisions concernant le fonctionnement et les publications seront votées et ou discutées collectivement entre administrateurs et éditeurs. Les membres pourront d'ailleurs demander à voir les résultats des votes à tout moment. Ceux-ci leur seront alors présentés de façon transparente. Tout sera clair. Par ailleurs, les administrateurs ont été choisis sur vote collectif et ne font pas l'objet d'un mandat éternel. Les administrateurs sont donc révocables, tout comme les modérateurs, s'ils ne respectent pas les règles du groupe et n'ont pas de pouvoir décisionnaire supérieur aux autres membres fondateurs. Il s'agit simplement de postes symboliques imposés par le fonctionnement de Facebook. À tout moment, le cercle des administrateurs et modérateurs peut être amené à être modifié et même à s'agrandir, auquel cas les mêmes règles seront appliquées et signées par les nouveaux venus. Quant aux actions et projets qui découleront de la convergence, ils seront évidemment votés et définis avec l'ensemble des membres. Notre constat est sans équivoque. Les causes pour lesquelles se battre sont nombreuses. Justice sociale et fiscale, équité, pouvoir d'achat, santé, travail, économie, écologie. Mais alors qu'elles trouvaient du sens dans des contextes historiques différents, les causes singulières, individuelles, ne peuvent plus aboutir seules, car tout est lié. On ne peut faire baisser le coût de l'essence sans toucher au système libéraliste dans son ensemble. On ne peut réduire l'impact écologique sans revoir la mondialisation, et donc le système économique actuel qui ne sert que quelques-uns. On ne peut améliorer la condition animale sans soigner la condition humaine, car le dénominateur commun n'est autre que l'industrialisation à outrance. On ne peut respecter l'agriculture tout en la laissant se faire martyriser, au même titre que la biodiversité. La crise du coronavirus n'a fait que renforcer les liens qui unissent le peuple, les peuples. Focalisons-nous, unissons-nous sur nos points de convergence pour réussir à construire un monde plus juste, plus démocratique, plus humain, dans le respect du vivant sous toutes ses formes. Le groupe Les Convergents n'est pas un parti politique et n'a donc pas de programme électoral. Notre seul objectif est de faire converger toutes les forces populaires. Celles-ci nous seront bien utiles le moment venu pour organiser des actions salutaires et efficaces. Tisser de tels liens nous permettra d'inventer cette société à laquelle nous aspirons tous. Cette convergence d'humains nous permettra de renverser le rapport de force et constituera un noyau de citoyens déterminés à changer de modèle sociétal. Il s'agit de s'affranchir des bannières, drapeaux et autres cases idéologiques qui font le jeu du système élitiste, car la division populaire est aujourd'hui la meilleure arme. Faisons que notre convergence soit notre meilleure force. Convergence ne rime pas avec monotonie. Au contraire, c'est bien la diversité qui permet de construire intelligemment. Unissons nos compétences, mettons de côté nos divergences et grandissons ensemble dans la même direction. À nous tous, ensemble, de dessiner des actions concrètes et pacifiques en fonction de la diversité de savoir-faire que nous constituons. N'oublions pas, le nombre, c'est nous. Ils sont une poignée, nous sommes des millions. La convergence, c'est maintenant. Il y a urgence.